cette moto, comme vous avez pu le voir sur les images de l'intro, a vécu un accident. C'est la moto d'un de nos abonnés, Clément, qui s'est croûté avec. Il a rien, mais la moto était bien attaquée. On n'a pas tout filmé sur nos réparations par manque de temps, mais voilà quelques images. On veut retirer la poignée. Le souci, c'est que il y a l'embout de guidon, enfin le poids, qui est mis et qui est complètement bloqué. On a essayé de le frapper et tout. On va s'attaquer à la platine. Donc on va retirer le silencieux, on va retirer, enfin bon il est déjà retiré, mais virer la petite partie cassée du repose-pied, s'attaquer au mètre-cylindre et remplacer par la platine flambant neuve. On va pouvoir remplacer l'été parce que comme vous pouvez le constater ici, donc c'est complètement explosé, et là si on regarde bien, les butées sont complètement tordues, c'est complètement renfoncé ici suite à la chute, donc ça de toute façon c'est mort, il faut le changer. Bah non, elle touche pas le sol. Mais Lauriane. Ah, c'est les fleurs, non? Oui. T'as pas vu comment c'était fait? J'ai pas fait gaffe. Maintenant que les têtes de fourche ont été remplacées, on va pouvoir s'attaquer au Neyman. Donc l'ancien, il est complètement explosé. Donc impossible de le réparer. Pour remplacer tout ça, on a un nouveau kit de serrure avec un nouveau jeu de clés, un nouveau Neyman. Faudra remplacer aussi la trappe du réservoir et la serrure pour la selle passager. Bon courage. Salaud. Oh GG. Bon, c'était hyper facile. Mais, je ne te permets pas. Et bien évidemment, on met un nouveau joint. Tape dessus, tu veux me mailler? Bien sûr. Ça va pas la tête. Tadam. Ah bien ouais, je... Le petit flotteur. Le petit flotteur, ouais. Faudra forcer, hein. Clac. Pour que Clément puisse récupérer sa moto plus tôt, on a essayé de gagner du temps. Du coup, on n'a pas filmé ce qu'on a fait. Mais je vais vous le dire. On a installé le guidon. Son guidon, c'est un guidon assez large en 28 mm. Du coup, on a été obligé de racheter des pontées. Pontées en 28 mm aussi. On a changé les Komodo qui étaient explosés. On a changé le Neyman où on a dû bricoler électriquement le Neyman aussi parce que c'était un Neyman de ZR7. Donc ça s'adaptait pas comme il fallait. Quand on a mis le jus, il n'y avait rien. On a changé le mètre cylindre avant. On a changé la poignée de gaz, de changer le barillet. Surtout, on a pris un barillet de ZX10. Ça a l'air de le faire. Et là, on vient de mettre l'araignée et on va installer le compteur, lui mettre son feu. Ensuite, on pourra positionner le réservoir, mettre sa selle et elle sera prête. Toc. Démarre. Démarre, petite ménère.
dynamique et motivé, qu'est-ce qu'on raconte ? On avait fini de remonter la moto. Donc on a fait un essai, on l'a redémarré, on s'est rendu compte que le témoin d'essence était full. Sauf que on a rempli la moitié à peu près le réservoir. On a revidé le réservoir pour voir d'où pourrait venir le problème. Donc on a retiré le flotteur et on l'a branché directement sur le faisceau de la moto. Et on a fait des essais comme s'il n'y avait plus d'essence ou comme si le réservoir était plein. Et ça fonctionnait très bien. On s'est demandé d'où venait le problème. On s'est rendu compte que c'était un petit peu tordu. Et en regardant l'ancien réservoir, effectivement, l'impact est de ce côté-là et a complètement écrasé le flotteur à cet endroit-là. Il venait se coincer au niveau du réservoir, ici, et le flotteur ne pouvait pas remonter. On va redresser tout ça. C'est redressé, on le réinstalle. Le réservoir est vide. On va le remplir, on va remettre le contact et on va voir si la jauge se remplit. On a remis un peu d'essence dans le réservoir et là, on a pris 2 bars. Donc ça fonctionne. Et c'est comme ça que se termine la vidéo. Je tiens à remercier chaudement l'équipe mécano d'avoir réparé cette moto. C'était pas gagné d'avance, mais grâce à eux, je peux enfin remonter sur la moto. Alors merci beaucoup.